Bienvenue sur Cool Parding. Je présente ici une façon de découper des cartes de visite rondes de 2,4 dixièmes de millimètre d'épaisseur à l'aide d'un emporte-pièce de 45 mm de diamètre et d'un marteau de 1500 grammes. Il faut noter que le support de découpage est appelé ici le martyr est très important, non seulement pour ne pas abîmer l'établi, mais surtout pour que le découpage de la carte se fasse proprement sans risquer de déchirer le papier. La série de 20 cartes prise ici en exemple utilise un carton fort de 3 mm d'épaisseur comme martyr, ce qui assure la protection de ce qui est derrière tout en obtenant un découpage propre. Mais malheureusement, le carton est gaspillé. Bien sûr, d'autres solutions sont possibles, comme par exemple avec une plaque de caoutchouc qui ne se marque presque pas, donc pas de traces de coupure. Mais dans le cas du caoutchouc noir présenté ici, il risque de déteindre sur les cartes. On peut résoudre ce problème en intercalant une fine feuille de papier blanc qui sera aussi moins gênante à perdre qu'une épaisse feuille de carton. De manière plus générale, il est surprenant de constater la taille du marteau et le nombre de coups qu'il faut donner pour être quasi sûr d'obtenir une perforation correcte. Et finalement, des cartes de visite circulaires ont des chances d'intriguer et donc plus de chances d'être facilement mémorisables par un prospect que si elles étaient découpées avec une forme rectangulaire. Qui plus est, une fois l'outillage à portée de main, d'éventuelles différences de positionnement entre l'impression et le découpage se voient moins que sur des cartes rectangulaires, tout en ayant d'autres avantages, comme par exemple la possibilité d'être rogé avec des pièces de monnaie dans un porte-monnaie. Félicitations, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous appréciez probablement l'originalité de cette chaîne et naturellement, vous y abonnez, encourage les futures créations au toujours. Revenez vite, vous allez être surpris. Not kidding. Merci pour votre attention.